Nazali presque tombé à la renverse. Pourquoi? Parce que le peuple discours wana. Après deux ans. Après deux ans. Après deux ans de règne. Après deux ans de règne d'exercice, que on arrive finalement après avoir consulté peuple de oyé baba véritable problème yamboka. C'est-à-dire lui ne savait pas. Avant d'avoir mené pays kaka boyé hein, dans leur coalition. FCC cash, bazo même mboka kaka boye, mais après que le peuple baye que non, ça ne va pas. Les choses ne marchent pas. Et Sengeli na tel domaine que ça la boye, na tel domaine que ça la boye, c'est alors abimi na pongi na ye, ne alobi, désormais, na zui engagement, Moussala et bandi. Ça veut dire que le président de la République s'est rattrapé via la Constitution. Ça veut dire que le départ était mauvais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez maintenant un premier ministre. Parce que sur l'ordonnance nommant l'informateur, il faut contresigner, il y a premier ministre. Ce premier ministre va accepter de contresigner. Quand il va refuser, ça sera encore un blocage. C'est ce que Mouzito voulait dire. Donc, si aujourd'hui, vous voulez, il faudrait d'abord... Mouzito était premier ministre, Kabila a nommé un informateur. Il faudrait d'abord... Mouzito était premier ministre, Kabila a nommé un informateur. Vous avez... Est-ce que, officiellement, vous êtes d'avis que Tshilombo a divorcé avec Kabila? Il y a une différence. On peut avoir déclaré le divorce entre FCC et Cash, mais est-ce que le deal qui a amené Tshilombo au pouvoir a été dénoncé? Bande Kobalandi. Il y a Radio Télé Message de Vie, ONG de TV, Mbote Mingi et Paiwapi Bozwami, Tozali en direct à travers la République démocratique du Congo, Paiwapi Toko Beta Lelo Masolo Ya Ekolo Na Mwanamboka Félix, Yazali Moko Yabayi Mboka Oyo Bakolo Ba Vérité Poète Congo Kendeliboso. Toko Sala analyse Lelo concernant discours ya chef de l'État, rôle. Topé mission et informateur, Tokolobaon na kati mission à Lelo, Assemblée nationale de Mingi Mingi et Paiwapi Tokovandela. Peuple congolais, plus 243 89 00 60 149. Moto ngana yambi na kati mission à Lelo, 45 minutes de vérité. Ngana yebiye, mais na boutique la bino ton. Bon découvrir yé na présentation au Yakosala. Mon amboka mbote. Mbote. Ba imboka bako landayo, ba retenir d'abord nini par rapport à présentation. Ba retenir que ngai nazali Jean-Félix Senga nazali secrétaire exécutif permanent ya Dynamique pour la vérité des urnes. Dynamique pour la vérité des urnes une des plateformes Oyo et Maiki na Saint Alamuka candidature ya Ndeko Martin Fayulu. Donc nazali cadre ya Lamuka. Donc, on a la Mouka, en dehors, il y a Oba Benga Présidium, c'est-à-dire le quatre présidents fondateurs, il y a la Mouka. Nous avons ce qu'on appelle cellule politique, qui est composée, il y a deux personnes par regroupement. Donc, Nazali, Moko, il y a cellule politique, il y a la Mouka, au nom, il y a Dynamique pour la vérité des urnes, dans la Mouka. Très bien. Mbote mingi na peuple congolais nyonso. Mbote mingi na Archbishop Coutinho Fernando depuis Paris qui va nous suivre en ligne. Mbote mingi na Jano Kachala depuis Canada. Et mbote mingi na ba téléspectateurs. Il y a émission Point de Vie, 45 minutes de vérité. Moi Mbuka, Assemblée nationale. Tomoni Lelo bureau provisoire et siège qui lobby coordonné par Mwanamboka Mboso Kodiankwanga où le lobby était lobby j'ai dit les 10 des élections topé maye ko sala manakati assemblée nationale d'abord analyse nayo na ndenge to komina etao il faut le dire il faut pas que ba congolais ba se voile face. Toza na situation moko oyo tokoki ko benga état de crise. Et c'est une crise entretenue, créée de toutes pièces nandeko Félix Antoine Tshilombo. Parce que lelo situation ezo prévaloir na mboka ezali été on dirait boyokani ezali lisusu malam malam mingité entre bandeko ya FCC na bandeko ya Cash.
Donc, tozali na autre kobenga scène de ménage. Donc, ceux qui bosa na ndako, papa na maman, ba connaître moi difficulté, boyokaneza malamu mingi te, eh bien, et faire en sorte que famille mobimba et subir et connaître un certain climat malsain. Des situations oyo toujours traversées actuellement na mboka, c'est-à-dire il y a mésentente moko entre famille politique moko oyo babengi FCC cash ndeza na mwa nungu nungu. Voilà ce qui fait que aujourd'hui ba difficulté ezo s'étendre na ba branche nyonso ya mboka. Donc pays ezali touché presque on a l'impression qu'au plus profond point mboka eza na difficulté, mais en réalité il faudrait tout retenir et loko moko ezali oyo babengi scène de ménage, parce que au-delà il y a situation oyo effectivement pays ezali efandi na crise monene oyo batu balingi balandela de très près te batu bazo sala on dirait bakanga miso bamona yango te, mais on est plus attiré par des faits de paille que par situation réellement explosive sur laquelle mboka est fandi. Très bien. Jean-Félix Senga, est-ce que destitution, il y a bureau et l'Assemblée nationale, c'est dans les droits à députer la Bissot parce que bureau est tambouci à l'Assemblée nationale, Mabé? De ce point de vue-là, problème exacté, c'est-à-dire Assemblée nationale, quand ce qui va député va se rendre compte que bureau na bango, ils ont tambou sa makambo, malamouté, comme bango moko, bazo assemblée koloba, il y a opacité dans la gestion, comme bango moko, bazo assemblée koloba, au moment où il fallait, président de l'assemblée a déposé rapport sur l'état des finances de l'Assemblée nationale. Asalaka yangote, mais nous avons vu Conseil d'État pesi raison na présidente de l'Assemblée nationale à lobby non, ce qui avait été recherché, donc le rapport avait été donné au moment opportun, ba député ou ba sambla qui comportait accusation ana, ils n'ont pas été na séance oyo rapport pesamaki, donc en quelque sorte justice. Et puis ça qui raison na bureau Assemblée nationale. Mais entre-temps, Assemblée nationale, ils ont un règlement intérieur en Ango, ils ont s'organisé de l'intérieur. Du point de vue de ce règlement intérieur, bah, député Bango Moko va se rendre à l'évidence que la manière dont je suis en les canards, la manière dont Makambozo Salema au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont se pelé sa bangote, basal sous d'accord. Na présidente, na bureau anaté. Voilà pourquoi à ce niveau-là, va décider, va destituer bureau ané. Voilà ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Très bien. Ouais. Discours y a chef de l'État, le président de la République Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Au lobby était na 10 ans, où il a personne qui confiance dans la coalition FCC cash, le peuple congolais ne se retrouve pas. On peut dire que sentiment na yo lelo koyo ka président de la République Koloba le dimanche 17 sentiment inozano. En tout cas na sepeli na motuna na yo parce que ko permettre to éclairer peuple na biso malam malam. Bien na landi discours ya ndeko Félix Tshilombo na bokebi nyonso. Na landaki yango na ebandeliti na suka. D'abord un na sala lokola constat. On dirait Monsieur Tshilombo a kambimbo ka pendant 10 ans sans un seul programme. Ayebaki wapi azo memambo kate, ayebaki nini asala, ayebaki te engagement nini changement nini oyo esengela ki a engagé mboka pour que e connaître moi avancer et connaître moi progrès et sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique et que sais-je encore. Ayebaki eloko mon côté. Mais il lui est arrivé à ça là, ma consultation. À l'issue de ma consultation, à Misali, moi religion, à l'issue de la consultation, à comprendre finalement, et au point que, à Komisko, on a niveau, il y a qu'à dégager ce qu'on a appelé le programme.
Voilà pourquoi j'ai comme l'impression pour discours moi namboka Félix Salaki ezali été ezali le cola discours programme. Oui, ils ont bandé ko banda. Oui, ils ont bandé ko banda. On a 2 ans banda qui a monté. Surtout pourtant pendant 2 ans il a géré le pays à vue donc c'est-à-dire azo kamba en tâtonnant, il ne savait pas wapi azo même ba congolais, il ne connaissait même pas Congo ezana niveau nini, ezana état nini, crise nini, par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter un réel changement au Essengela qui est apporté soulagement na ba congolais. Pourtant, ce n'est un secret pour personne, M. Tshilombo azamutu oyo qui vient d'une véritable opposition, c'est-à-dire quelqu'un censé connaître les véritables problèmes de Congolais. Mais tant que Zolanda discours, Yemoko Azoloba, Nazalaki fortement impressionné par les apports des uns et des autres. Via la consultation. Il était sérieusement impressionné par les apports des uns et des autres. Bamsusu, Balakisie que il y a la guerre qui sévit na Est. Bayebsie que Guerwana Eza Malamute Ezo permettre Bandeko ya Est Yakosala Musala te. Donc esengeli ba pesa bango kimia pour que bakoka osala musala ba participer na vie nationale. Ça il a appris lors de la consultation. Avant, il ne savait pas. Ça c'est lui-même qui l'a dit, j'ai été impressionné. Il a été impressionné d'apprendre que Batuba et vous savez que vous savez qu'il y a eu ce qu'on a appelé un rapport mapping. Dans le rapport mapping, ba décrire Makambu nyonso amabe ou ba faire subir. Là, je vis directement, docteur Mukwege. Ba faire subir Moka et Sengeli nécessairement gouvernement intervenir pour tosenga un tribunal de paix, un tribunal international pour nakoya kolandela Makambuana de plus près de sorte que ba responsable baza la puni pour que justice ezala rétablie. Yé, moi namboka Félix, ayé baki Makambuana te. Il a été impressionné par l'apport yaba Congolais. Nde oyo personnellement biso ezo kamisa biso mingi que ça veut dire que Jean-Félix Senga a satisfait dans le discours à chef de l'État. Nazali presque tombé à la renverse. Pourquoi? Parce que le nazo ka discours wana après deux ans de règne d'exercice que on arrive finalement après avoir consulté peuple de oyé baba véritable problème ya mboka, c'est-à-dire lui ne savait pas avant d'a mener pays kaka boyé hein dans leur coalition FCC cache bazo même mboka kaka boyé, mais après que ba peuple baye ça y est que non, ça ne va pas, les choses ne marchent pas et Sengeli na tel domaine kosala boyé na tel domaine kosala boyé. C'est alors abimi na pongi na ye ndé alobi désormais nazu engagement musala ebandi qui ça le mebanda 2 ans qui ça le mebanda 2 ans ezaki ya théâtre 2 ans ezaki ya tergiversé 2 ans ezaki ya masolo 2 ans ezaki ya distraction. Vous comprenez que eloko wana pour un pays, un peuple qui se veut sérieux, un peuple grand na Afrique centrale, et ça, quelque chose de n'est pas bien. Merci. Jean-Félix Senga, le président de la République, dans quelques jours, a nommé déjà un formateur. Tout le monde a dit lobby dans l'Assemblée nationale, et pas la majorité, il y a des députés nationaux, et si il y a Union sacrée pour la nation, 279 députés, lobby dans la salle. Point de vue par rapport à la nomination, il y a un formateur. Est-ce que Fatih, il est dans la Constitution? Parmi Moko, il y a Babitumba Oyo, et ça y a Bissot Dynamique pour la vérité des unes, et ça y était, toujours mobilisé, toujours sensibilisé, toujours faire comprendre la population de Bissot Mobimba que Congo, et ça y a Mbeko, Likonzi, Oyo, Babengi, Constitution. Ce qui est tolingi, tous à la Nakimia, tous à la Naboyokani, Oya Malamu, et Sengeli Moutou na Moutou, na niveau na ye, na parcelle à pouvoir oyazo exercer ayeba ko respecter constitution wana nazo betango c'était parce que ezali musala oyo biso ba ya dynamique pour la vérité des unes tomi pesa na mboka oyo. Donc
Il est impensable, anormal que Ngaï, d'une manière ou d'une autre, nakoka ko favoriser violation ya constitution. Et makambo ndenge ezali, tout part du départ. Aujourd'hui, le loso ki mwana mboka Félix Alobi, majorité wana ezo permettre Ngaï te ko exercer ko sala musala pona bolamu ya bana mboka. C'est bien. Aye bindenge ni la majorité on les a constitué. Majorité on les a constitué de manière fabriquée dans un bureau nanga d'ailleurs et ça secrété nazo yebisayo. Nazo yebisa peuple information ya sikaté. Avant publication des résultats. Ba benganaka ba konzia PPRD, ba konzia ba groupement politique ebelé, MSR, UNC nini na seni. Nananga basali réunion comment partager ba députés selon ba différentes structures politiques bakaboli yo topesio 17 yo topesio 34 yo topesio boyé PPD topesio autant c'est une distribution qui s'est faite au vu et au su de tous na seni à ce moment-là yé ayebaki yé ba pesié bokonzi ya koza ba pesié ndingise ya kozala Yako Kambamboka, Yako Zala, président de la République. Dès le départ, et Sengela qui a dit que le lenge bosali partage la majorité et que permettre ngate nasala pona bolamu ya bana mboka, connaissant même le passé, l'histoire, ya bande konabiso, ya FCC. FCC oyo babengi front commun de Congolais. Oyo bino na Tshisekedi Félix Mobunde ça qui est en opposition. Oyo biso tobundisa la présidente de la République actuelle. Toyeba que FCC comme eux-mêmes s'appellent front de commun de Congolais oyo bande kona biso lokola Maseki bazobengango front des criminels congolais. Toyebi que groupe politique wana ba visé na bango. Ce n'est jamais pour le bien de la nation, ce n'est jamais pour le bien du peuple. Ce sont des gens foncièrement égoïstes qui ne travaillaient que pour leurs intérêts au détriment de la nation. Mais tant que yo outi na opposition, il y a solo, un parti local, l'UDPS, qui a été la fille aînée de l'opposition dans ce pays, oyo yebaki les affres, oyo yebaki combien de gens pour avoir lutté ont été tués, ont été rendus handicapés, yo outi na mouluana. Au permettre que Batouba ça la partage à l'Olengewana, qui du reste, tu savais, il devait savoir, c'était être un visionnaire que, Oyo Ezo Mema Biso na Liboulou. Tu acceptes à ce moment-là parce que, à ce moment-là, tu avais un compte, tu avais un gâteau que tu recevais. C'est tout ce qui te préoccupait, le fait que l'on te proclame président, ça te suffisait. Et maintenant, au fil du temps, tu te rends compte que non, avec cette structure politique, il n'y a pas moyen de servir la nation si réellement telle est la volonté, parce que n'empêche que le discours ne soit qu'un discours propagandiste, parce que après avoir fait 2 ans d'exercice, on se rend compte que, eh bien, nous tendons vers les élections, n'a qu'à se représenter, n'a pas élection, on a battu, bilan, battu, on se rendre compte que les temps que j'ai passé là-bas, ni de près ni de loin, je n'ai rien fait de bien pour eux. Et ça sera difficile qu'on jette les dévolus sur moi. Et alors, à ce moment-là, en calcul politicien, tu t'arrêtes, tu dis non, il faut revoir les choses parce que, bah, élection, bah, échéance, Zoya, je serai comptable devant le peuple. Donc, nous devons faire de sorte que, aujourd'hui, qu'on arrange. Je veux bien, même alors, pendant les 2 ans, au moins, Cash a travaillé pendant 9 mois sans interférence Yabatumsusu. Avant, je veux dire, avant que le gouvernement Ilunkamba ne soit organisé. Parce que le gouvernement n'a eu lieu qu'en septembre 2019. Mais avant septembre 2019. Parce que Ndeko Chilombo Azalaka investi le 24 janvier 2019. Donc du 24 janvier 2019 au septembre 2019. C'est le cash seul qui gérait, qui dirigeait le pays. Ça, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde sait qu'est-ce qui a été engagé. Qu'est-ce qui a été fait pour entraîner un changement notable, visible au pays. Rien. L'on peut dire non. À ce moment-là,
il y avait un gouvernement qui assurait les affaires courantes. Mais c'est au même moment qu'on a décidé d'initier, d'engager des grands travaux qu'on a appelés communément 100 jours. Pendant ce temps, les résultats, c'est quoi? C'est l'arrestation des membres de CASH pour avoir détourné. Non, ils se sont illustrés seulement en détourneur que en bon travailleur. Voilà, aujourd'hui, il ne faudrait pas que les Congolais basent à la distrait. C'est pourquoi, Bisso, au niveau, il y a dynamique pour la vérité des Ignes. Oui, c'est une importance, c'est un ami dynamique pour la vérité des Ignes. Est-ce que ça a une importance? Tant que nous avons eu une décision, il faut que le peuple congolais qu'on nomme informateur. C'est le moment par excellence où Dynamique et Sengeli est sulistré en passant à la télé et partout pour faire comprendre les Congolais les Kambonabiso. Bozoa préambule la constitution votée par référendum en 2006, la constitution actuelle. La préambule balobi depuis 1960. Congo ezo kokako décoller té ezo kokako tambola bien té à cause ya ba crise récurrente, crise d'illégitimité. Nde raison cause qui est à la base ya blocage ya kosala que Congo ezala étouffé. C'est ce que la constitution dit. Alors pona ko résoudre yango esengeli ba congolais ba s'engager na nzela ya oyo ba bengi élection crédible, démocratique et transparente. Et c'est à ce niveau-là, quand le peuple se sera exprimé, beau respecter expression populaire. Malheureusement, nous sommes retombés dans ce qui s'est passé en 1960. Donc, dynamique pour la vérité des îles, ils ont la tina nango, ils ont la valeur nango, nous sommes au bimba. Nous sommes là pour dire non. Écoutez, Balobaka, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous ne devons pas traiter par conséquence, traitons les causes. Cause, situation où prévaloir actuellement dans Mboka, et où tu wapi, et où tu na crise de légitimité. Tant qu'on aura fait semblant, on ne veut pas être courageux pour affronter la situation afin de résoudre la crise de légitimité, tous se distraire, nous mettons des balles dans le pied. C'est une distraction. Comment tout un peuple peut tomber dans une distraction? Vous voyez que solution yangoyo, nzela yangoyo, mais vous faites semblant au lieu d'emprunter zela. Au lieu d'emprunter zela. Pas aucun moyen. Pas aucun moyen. Tant que parmi les leaders, mon amboka Jean-Pierre Bemba, Martin, comment dirais-je, Moïse Katumbi Tchakwe, Oazala qui parmi les présidium, il y a la mouka, lelo, bakati, sinanga, momosusu, mais bino, botira, l'obéen, la vision en combat avec tes désirs. Est-ce que solution est allée? Tout à fait. D'ailleurs, Batunde Sengeli va s'étonner comment de Jean-Pierre Bemba, comment de Moïse Katumbi va se rebondir là-bas. Tozali na oyo babengi convention ya Lamuka. Na convention à Lamuka, nous avons ce qu'on appelle les quatre axes fondamentaux ya Lamuka. C'est-à-dire les éléments autour desquels nous nous sommes unis, nous nous sommes mis ensemble. Parce que Bobo Sanité que la Mouka ezalaka au départ plateforme électorale qui n'a pas de personnalité juridique, qui a été la personnalité juridique tout à fait sur le plan électoral parce que nous sommes allés aux élections batou na ba structure politique na bango, mais le mot d'ordre avait été donné de sorte que tout celui qui se reconnaissait de la Mouka ou le véritable les Congolais qui voulaient un véritable changement, comme Ndeko Chilombo lui-même l'avait dit à Genève, le changement s'appelait Fayulu, devait voter pour Fayulu. Et c'est ce qui avait été fait. Alors, pour ne pas aller très loin, nous sommes le 30 juillet 1919, à Lubumbashi. La Mouka, on s'est réunis sous la houlette. Il y a président Moïse Katumbi. Tu aurais affirmé haut et fort que ba élection il y a décembre, à l'été de décembre 2018, c'était un chaos. C'était un fiasco électoral. Nous avons réaffirmé, Bissoba Nani, Bissoba président Jean-Pierre, président Moïse, président Mouzito, président Fayulu. Nous avons réaffirmé ça. Pas peu, il n'y a pas à peine deux mois, il venait y avoir des travaux, il y a la Mouka au niveau de la cellule politique qui ont fait à peu près un mois, ce qui a fait qu'il y a permettait qu'il
tout ça, la passation de pouvoir de Mozito à Fayulu, on a réaffirmé que ces élections étaient un chaos. Tout le monde l'a affirmé. Tout le monde a dit qu'il y avait une crise d'illégitimité. Celui qui avait été élu, celui que le peuple avait choisi, ce n'est pas lui qui dirige le pays. Nous l'avons affirmé. Bon, comment Boni Boni Lelo a affirmé qu'il y a illégitimité? Et puis, Yomoko a sauté au lobby, n'a qu'à vous soutenir ou accompagner l'illégitimité. Allez-y, comprendre quelque chose. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. C'est cette façon, Yakozala, Yaba leader politique congolais, cette façon d'être inconstant, cette façon de ne pas avoir une vision qu'on conduit, cette façon de ne pas avoir un idéal à poursuivre, à atteindre, Ndezosala était toujours entraîné par les Congolais dans la danse. Les Congolais sont en train de tanguer au point que Bayebi était à quel sens se vouer. Hier, ce n'est un secret pour personne, Tozaki qui n'a leader moko incontesté dans ce pays. Quand bien même, il y avait toujours des gens qui étaient de l'autre côté qui les critiquaient. C'est papa Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire. Il y avait des gens qui pouvaient s'opposer, Babimi Bake. Il y avait des gens qui disaient, Bisso Nyonso, à l'époque, vous vous souviendrez, Union Sacrée, les mains des consorts partaient à Tikali, Yemoko. On disait que nous l'avons isolé, c'est fini pour lui, sa carrière politique va tendre vers la fin parce qu'il est abattu. Et après un bout de temps, comme la vérité est têtue, la vérité finissait par rattraper le mensonge et Batou Babanda pour revenir n'a raison et on lui donnait raison, on revenait à lui. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Tout le monde peut partir. Tant que combat Oyo Martin Fayulu a mené, et ça combat, il y a ba sentiment de Mozito qui travaille pour Kabila. Martin Fayulu est Mozito qui travaille actuellement pour Kabila. Par contre, parce que Mozito a tweeté qu'on ne peut jamais nommer un informateur, ceux qui gouvernent mes alliés, Mozito a tweeté comme ça. Il ne faudrait pas que vous fassiez des bons basso moko qui ne s'expliquent pas. Ceux qui Mozito a lobby, on ne peut pas nommer un informateur. Constitutionnellement parlant, tant que le Premier ministre est en fonction, on ne peut pas. Ça ne veut pas dire Mozito est avec Kabila. Ça ne veut pas dire. C'est ce que le peuple pense. Non, ouais. Il ne faudrait pas que le peuple pense de manière erronée. Ça veut dire seulement, c'est bien beau d'avoir l'intention de nommer un informateur, mais tant que il faut le faire dans le respect de la Constitution. D'ailleurs, ce que Hollande dans la note Hollande émission Mogosema dans vos locaux ici, eh bien, si aujourd'hui le président a pris la décision de nommer un informateur, c'est ce qu'on appelle en comptabilité seulement. La régularisation. Nous sommes en train de régulariser ce qui devait se faire. C'est que ça veut dire que le président de la République s'est rattrapé via la Constitution. Ça veut dire que le départ était mauvais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez maintenant un Premier ministre. Parce que sur l'ordonnance nommant l'informateur, il faut contresigner, il y a Premier ministre. Ce Premier ministre va accepter de contresigner. Quand il va refuser, ça sera encore un blocage. C'est ce que Mozito voulait dire. Donc, si aujourd'hui vous voulez, il faudrait d'abord. Mozito était Premier ministre, Kabila a nommé un informateur. Il faudrait d'abord. Mozito était Premier ministre, Kabila a nommé un informateur. Mozito avait contresigné. C'est ce que vous ne semblez pas reconnaître, savoir. Mozito avait contresigné. Ce que Mozito veut relever, tant que Ilung Kamba ne s'engagera pas dans la voie de contresaint, alors il y aura un blocage. Donc, ça ne sert à rien de créer une crise de toutes pièces. C'est dans ce sens-là. Donc il faudrait que Bandeko na biso ba confondre que ce que Mutualobi a violé la constitution, ça veut dire qu'il est avec Kabila. Non, nous sommes premiers à affirmer dans ce pays il n'y a pas plus violeur de constitution que Kabila. Nous, Dynamique pour la vérité des Innes, nous l'affirmons, nous le disons, nous le répétons. Donc il est impensable aujourd'hui que nous, on se jette dans le bras de Kabila. Pourtant, nous avions dit avec les élections en 2018... nous avions mis fin au règne de Kabila. Et pour nous, Kabila n'avait pas d'autre place que la prison de Makala. Celui qui a entretenu, qui a donné la vie à Kabila aujourd'hui, c'est Chilombo. Donc il ne faudrait pas qu'on dise, il ne faudrait pas que le peuple puisse se satisfaire de rien. Il n'y a rien que Chilombo vient de faire. Il n'y a rien. Est-ce que, officiellement, vous êtes d'avis que Chilombo a divorcé avec Kabila? Il y a une différence. On peut avoir déclaré le divorce entre FCC et Cash,
Mais est-ce que le deal qui a amené Tshilombo au pouvoir a été dénoncé, a été mis en cause, a été indexé? Ni de près ni de loin, personne n'en parle, personne ne le sait. Hier, Isaïe Sekreté, vous aviez ma personnalité politique Lokola Chadari qui disait, je connais les clauses, je connais le deal, ce qui a été dit. J'étais là quand le deal s'est signé. Oui, ça, mais la constitution dit. Amen. Nous tous, nous sommes de cet avis. Voilà pourquoi nous avons fustigé. Mais malheureusement, c'est le deal qui a mené Tshilombo au pouvoir. Ce n'est pas la constitution qui a mené Tshilombo au pouvoir. C'est les élections. C'est les deals. Ce n'est pas les élections. Ce ne sont pas les élections. Ouais. C'est les deals. Un de vos journalistes, il faut faciliter le peuple à comprendre ma solo tozo beta malade. Il y a un peu de loi de haute portée. Oui. Na Ebandeli, vous vous rappelez, na lobby. Majorité aux Alélo et aux Ndekotchilombo. Oui, c'est basculé. Tout le monde a dit qu'on l'a vu dans l'Assemblée nationale. Majorité aux. Oui, c'est basculé. Bas député, Soki Bolingi, bas député aux Lélo, Bazan, hémicycle. Ce sont dans la plupart des cas des députés qui ont été nommés. Et ça, c'est crété. Cash l'a dit que bas député, Oana, bas majorité, Oana, c'est une majorité fabriquée de toutes pièces. Cash l'a dit, et ce n'est pas faux. C'est pas parce que Cash l'a dit que ça devient faux. FCC aussi, Azoloba. Cour constitutionnelle où on a bah juge ou bah nommé de manière illégale tant qu'on va bah intervenir bah juger Makamba ne gota la biso té parce que cour est commis inconstitutionnel, ce n'est pas faux. Biso dynamique pour la vérité des unes, Lamouka, nous avions la mission de dire Lamouka c'est Pantani, nous avions la mission jusqu'à preuve du contraire de dire que bah élection et les cas qui m'a lamouté et zala qui fiasco électoral. Merci. Et ça c'est vrai. Très bien. Voilà. Mais là ma pio peuple congolais beaucoup landabiso toyambi moi namboka Jean-Félix Senga yazali moko ba imboka Lamouka ako pesa makanisi naye via situation politique au tozali nango actuellement na République démocratique du Congo boko na biso tozali en direct na République démocratique du Congo Kinshasa boko landa biso pe libanda mboka na ONG de TV to pesi mbote na Jano Kashala depuis Canada na yende to ko travailler pour na conscience et pour nous soutenir bana wa mikie oyo bazangi tata mama oyo bazana ba personnalité handicap nde vision yango wana. Le président de la République a renommé informateur au lobby Zali en dehors de la Constitution. C'est ça, Zali en dehors de la Constitution. Rôle informateur, Wane Rosala Nini, topé mission naé, attaque Wazali sur le plan constitutionnel au lobby. Mokonjambo Garako s'est rattrapé, mais c'est à Boukaki Constitution. Alingi a nommé informateur, Azo s'appuyé un article 78 de la Constitution, c'est vrai. Oui, mais si il y a la prérogative, ni on se tape le président de la République. Tout à fait, oui. Tout de suite après, l'article 79 recadre les choses. Précise Makambo, délimite les, dans quelles conditions il le fait. Mais c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Il ne faudrait pas Batouba Salak à lecture et à constitution de manière avec des lunettes. Non. Batanga ngon denge et sengeli na mobimba nango nyonso. Moi, problème nangai ezali ete akonome ou akonome te. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Le problème nangai ezali koyebi saba congolais. Situation toza nango na mboka ezali malamute, ezali explosive tant que toko s'engager na voie ya réparation. Quelle voie ya réparation? La réparation passe par l'union sacrée pour la nation. La OK. Ouais. Union sacrée au Bolingi, Boloba, union sacrée. C'est constitué de qui? Ou vous l'appelez union sacrée? Qui sont les saints de cette union sacrée? Aujourd'hui, difficulté ba congolais bazanango, c'est le vagabondage politique, l'instabilité politique de beaucoup de leaders. Le loyo bati lukwebo oyo qui veut s'engager dans l'union sacrée en apportant 34 députés et pas Yandeko Tshilombo pour créer la majorité si c'est possible. Bati lukwebo asengaka à l'époque na autorité morale na ye Ndeko Kabila yé à permettre que yé ndazala candidat à FCC na présidence ya Sénat. Admettons qu'à l'époque Kabila lobi oui bat yondo kozala candidat na ngai à la présidence à Sénat yondo kozala président à Sénat le lo bat yanga kozala sima ya tu sais que tout ça la sérieux c'est dire bat yaza na vision mon côté
pona kubongisa soki bino la muka ko joke election lelo na place ya mona mboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi benga bo sala nini na circonstances voilà ouais soki biso tozo wa kabo benga ndi makorte dès le départ ouais non n'oubliez pas que boyoka kabaloba bon Kabila ye moko a tenté a moni na contacté Fayulu pour ye moko a bangi abi d'abord un ça fait 18 ans na zo gérer mboko na na zo ta occasion ya kopesa Fayulu mbote te na na kutana na ebo ete. Donc, on a un problème de poser un problème. Pourtant, avec Ndeko Tshilombo, à plusieurs reprises, on a eu un problème à Messa plusieurs fois. Ibiza, Venise, partout. Donc, il y a ça. Moi, je suis là. C'est normal, on a traité. Donc, ce qui est Bissot, tout ce qui est impérium, na Bissot. Je l'ai dit, je le répète. La majorité de la majorité ne pouvait pas se permettre de faire bêtises ou assalter. Mais les lois, nanga na Kabila bazana makala. Ça, je te le dis. Et Kabila en est conscient. Donc, il ne faudrait pas dire que les choses devaient être exactement de la même chose. Non. Makamboninga qui est en mon côté. Kabila lui-même le sait. Voilà pourquoi il a tenu à éviter. Il a tenu à se créer quelque chose pour continuer à avoir le contrôle, le monopole et à contrôle Nambok. Très bien. Jean-Félix Senga, le président de la République a renommé informateur, Bino Bandeko Vérité Désirne, Bolobie est la solution morotée à l'égard du peuple congolais. Union sacrée pour la nation et qu'on apporte rien pour le peuple congolais. Vous proposez quoi? Le peuple vous suit. Nous disons ceci, Mboka oui. Est allé dans la crise. Crise, où est allé dans Mboka et Sengeli, dans Mboka, dans Fanda, dans Melamaya Pio, Batika, ça veut dire dialogue. Bah orgueil. Ça veut dire dialogue. Ça vaut la peine. Ouais. Ça ne demande. Donc vous êtes à la recherche de poste. Ça ne demande. Et pourtant, si vous rejoignez aujourd'hui l'Union sacrée pour la nation, vous pouvez aussi avoir le poste. Oh, vous en avez pour ça. C'est l'impression que vous pouvez avoir que tu as besoin d'un poste. Au moment où Martin Fayulu a ça la proposition de sortie de crise, je crois qu'il a été très expressif, très clair en disant que Bisso toko participer na gouvernement ya bangote. Bisso to lingi kaka to sala ba réforme, to créer ce qu'on appelle le Haut Conseil de la République. Pourquoi? Parce que avec cette majorité qui est là-bas, il est difficile ya ko engager ba réforme ya solo solo parce que bango va ko se poser. Ce qui fait la force aujourd'hui à FCC, c'est parce que il y a une sorte de désordre bango basenomaka, bango bazongaka. Papa, ce n'est un secret pour personne. Kendo Fouye, Ndeko Minaku, aza député national aujourd'hui reconnu. Minaku n'avait jamais posé de candidature pour être député. Il n'a jamais posé de candidature. Maintenant, comment explique-moi comment il est devenu député? C'est ce désordre-là que nous voulons mettre fin. Tolingi, tout organisé au Conseil national pour que tout ça là-bas réforme sur le plan Yasseni, la loi électorale tout réformé, sur le plan la loi organique Yasseni, parce que Bissona dynamique tout organisé que Tolingi Seni est réellement apolitique. Est réellement apolitique. Ça peut permettre de organiser Kamakambo, Ndenge Sengeli. Voilà, Tolingi, cour constitutionnel, tout retouché pour que tout amélioré. Tolingi o babengi la bonne gouvernance ezala réellement na mboka to lutter réellement contre la corruption. Aujourd'hui on est de Kotulomboye, il fera part du point sur la table. Est-ce qu'il avait résolu le problème il y a 15 millions de dollars il y a Royal Sea à pétrole? Est-ce qu'il avait résolu ça? Est-ce qu'il en avait parlé? On se tait. Et comme Congolais c'est un peuple oublié, comme Congolais c'est souvent un peuple distrait, il a oublié, aujourd'hui il est détourné. Oh non non, il y a 15 millions de dollars qui ont été détournés dans ce pays. Et Kendawapi, on n'en parle pas. Donc, pour ça, souci na biso makasi sengeli, tout ça la été gouvernance et à la propre corruption. Et si là, aujourd'hui, vous dites, nous voulons, je veux avoir une bonne majorité pour bien gérer les choses parce que la majorité en place m'a empêché de travailler. C'est bien, nous sommes d'accord. Mais vous voulez créer cette majorité sur base de la corruption. Papa, le mal appelle le mal. Le mal appelle le mal. Le bien appelle le bien. Mais comment vous voulez partir du mal pour faire le bien? C'est ce qui n'est pas possible, c'est ce qui n'est pas vrai.
Voilà pourquoi nous disons c'est juste un chapelet d'intention. C'est juste un chapelet d'intention à l'endroit des Congolais qui ne veulent pas... ce ne sont pas tous les Congolais, hein, parce qu'il y a des Congolais qui comprennent pertinemment bien Makambo Ndengezo Leka. Ce n'est pas plus tard qu'hier, tu as suivi l'émission de Christian Lusakoyono avec Ndeko Bob Mutombo, qui est professeur de Liège, qui est parmi les co-rédacteurs de la Constitution. Vous l'avez suivi, il vous a expliqué, parce qu'il est à la base de la rédaction de la Constitution, comment tout a été tissé, comment tout a été fait. Donc il y a des choses que le président ne peut pas faire sans le premier ministre, il y a des choses que le premier ministre ne peut pas faire sans le président. Passer outre, c'est violer la Constitution. Donc, c'est au niveau où nous en sommes aujourd'hui. Très bien. Jojo, on en reste avec combien de minutes là-bas? Il faut regarder, comment dirais-je, le chronométrage. Dans 8 minutes pour recevoir au groupe de moi du bonsoir mon amour à Georges les gens Jean-Félix Bandekwa Senko Bazala qui pas président de la République Baké pas Félix Tshisekedi Baké pas Joseph Kabila Baké pas Martin Fayoulou Ndjelo Bandekwa Senko Bazui point de vue pardon point de vue Nangaï Bandekwa Senko Eza secrété, c'est parmi ba père spirituel na biso. C'est parmi ba toyo ba se comportaka ba menaka vina bango fondé plus sur la sagesse. Ba tali situation ezo prévaloir na mboka. Ba ke ba yoki mwana mboka tilombo ce qu'il pense, ce qu'il veut. Le président de la République ou ba bimi ba ke ko yoka mwana mboka Kabila le sénateur avi ba bimi ba ke ko yoka pe mwana mboka Martin Fayoulou le candidat malgré aux élections 2018 les candidats président élu mwana mboka Martin Fayoulou ba yoki ye pe alors ba kanisi que la voie royale pour na ko résoudre le problème zo se poser na mboka et sengeli ba na mboka ba fanda na mesa au lieu ya kolinga ko sala biloko lokola ba vatanguerre qui risque à cause ya incompréhension à cause du fait que ba FCC ba kolinga ba résister quand bien même FCC malgré 18 ans de gâchis ils ne comprennent toujours pas que ils ne sont pas les bienvenus pour le pays mais ils s'accrochent en voulant s'accrocher na ce que passage en force au moins Namboka, Félix Alingia Sala, et comme ma bah, problème davantage Namboka. Or, tous en ango déjà, oyo, ici, les Kelibiso. Voilà pourquoi nos pères dans la foi ont voulu que Batou, Bafanda, na Mesa, Poba Solola, la Kimia Nyonso, Bat trouver ba solution, na Boigna, oyo, et qu'on permettre Namboka et s'en sortir. Voilà point de vue Nangaï pour ce qui concerne des marches il y a 5 ans. Très bien. Au Kondimalelo étant que Congolais, le la casquette politique qui en 2023 FCC na la mouka ou etralé pa ya Martin Fayoulou na Dolph Mouzito ba kenda en coalition pour na candidature moko na élection en 2023. En tout cas, ce n'est un secret pour personne. Ba tu na mboka souvent bazaka na coutume ya koloba, la politique est dynamique. Mais biso na dynamique pour la vérité des unes. On l'affirme haut et fort pour quelque raison que ce soit, nous ne pouvons jamais nous approcher du FCC. Jamais. Je le dis, jamais. Il ne faut pas que quelqu'un s'imagine, rêve une minute seulement qu'il peut arriver au nom de ceci et de cela. Nous, Dynamique FCC, on dit on coalise, on devient jamais. Ça, qu'on nous attribue pas. Même dans le rêve, ça ne se fera pas. Même dans le rêve, le FCC ne peut pas tenter de nous approcher dans ce sens. Comme ça, ce n'est jamais arrivé. Prenons le cas. Nous sommes en 2017, après le décès de Papa Étienne. Kabila a envoyé une délégation à Faden. À ce moment, nous étions dans le rassemblement avec notre président Fatshi. Nous étions au rassemblement, nous. Kabila envoie une délégation qui était constituée de Tambo Mwamba. Il est vivant, Mende. Il est vivant, Chadari. Il est vivant. Les trois sont venus à Faden pour dire à Fayoulou,
Après exercice, après avoir visualisé, il s'est rendu compte qu'un opposant, un vrai, qui fait figure d'Étienne Tshisekedi, c'était Fayoulou. Il veut, lui, nommer Fayoulou Premier ministre pour qu'on avance à l'issue de l'accord, du dialogue de Senko. Fayoulou a dit non, jamais. Les choses, moi, je ne peux pas m'engager dans cette voie, dans ce sens-là. Il faut suivre et respecter les cheminements tels que ça doit se passer au rassemblement. Ce n'est pas avec moi l'individu qu'il faut traiter. Donc, nous avons déjà quand même un passé, une histoire dans ce pays. Et partant de là, nous pouvons nous projeter dans l'avenir. Donc, Batouba mi kosate qu'un jour, même Nandoto, biso dynamique pour la vérité des unes, Tokozala Elongo, na FCC cash, potosala blog, tokena jamais. Donc, on peut dire dans mon colo à l'élo, moi, dans mon Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, basé sur le monde à binoté. Bon, c'est que Essengeli binou ba panzi sango, bo approcher bango. Bo approcher bango parce que il est quand même impensable, tozana ou babengi, le principe du tiers s'exclut. Soit tozana bo, soit tozana gambo, soit tozana gambo. Tu ne peux pas être en gambo ou en gambo. Tu ne peux pas être toi-même en union sacrée et en alamouka. Non, ce sont deux choses antinomiques dans le sens que union sacrée, biso lamouka, tozo loba, bokonzi yandeko chilombo se fondé sur une tricherie. C'est Kabila qui a usurpé le pouvoir et un peuple qui a nommé. C'est ce que nous affirmons que l'élection est acquise qui est au côté à ce niveau-là. C'est ce que nous affirmons. C'est ce que nous avons eu à affirmer. C'est-à-dire Bemba, Moïse, Amuzito, Fayoulou, c'est ce qu'ils ont affirmé. Mais maintenant, aujourd'hui, ils ont dit qu'on se contredit, dit que l'illégitimité, on n'a qu'à accompagner Yango. Tu vas encore être dans la mouka toi-même, logiquement, comment? C'est à vous de les approcher, qu'ils soient, que Bango Moko va s'assumer, va tirer ma conséquence. Il y a choix dans Bango et à l'élo. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Oui. Un mot pour la jeunesse qui vous a suivi. Un mot pour la jeunesse. Naebi, jeunesse na biso, vous allez confronter na ba difficulté et belé na mboka oyo. Mboka pendant des années et pesabino opportunité te pour que vous s'en sortir. Je le sais parce que moi-même j'ai été jeune. Moi, c'est déjà à l'âge de 23 ans que j'ai milité au sein de l'UDPS. Donc, je connais, je sais ce que c'est, ma difficulté à la jeunesse. Mais, oh, on a eu Koloba, bon inverser ma valeur T, bon à la tenace, bon mitiana moutouté que l'argent est une valeur cardinale qui doit guider vos comportements, vos démarches, vos choix. Non. Et Sengeli privilégie toujours les valeurs. C'est ainsi que vous ferez la force de ce pays parce que ce pays compte avec vous, compte sur vous. Vous êtes notre investissement, vous êtes notre force de demain. Voilà pourquoi tous en a intérêt, nous biso en tant que responsable politique, ya kosala été bozala bien pour prétendre que Congo et kosala n'avenir ya malam. Très bien, c'était avec plaisir que Toyamaki Mwanamboka. Nous allons retourner de côté de la régie pour prendre ceci.